Landel à Fontaine-Guérard, à proximité de l'abbaye. Un beau cadre de verdure. À proximité de Fontaine-Guérard, les ruines de la filature Levavasseur, qui n'a existé que de 1861 à 1874, détruite par un incendie. Tout à proximité de Landel. Une cathédrale de pierre. Dans la verdure. L'église bâtie en 1218. L'abbaye a été occupée par des moniales qui observaient la règle de Cîteaux. L'entrée de l'abbaye. À l'entrée, la chapelle Saint-Michel a été bâtie au XVe siècle. Sous la chapelle Saint-Michel, le cellier. Le cellier est assez étendu. Chose dans chacune des cellules. Les ruines de l'église abbatiale. Le chœur. Gisant de Marie de Ferrières. Dans l'abbaye, il y avait des moniales qui respectaient la règle de Cîteaux. La sacristie du prêtre. La pauvre Marie de Ferrières n'était pas une moniale,
C'était la femme d'un chevalier, elle s'était réfugiée dans l'abbaye, car son mari la maltraitait. Il l'a fait rechercher par des hommes et l'a fait égorger. Cette abbaye offre de beaux restes. La salle capitulaire a été construite gothique anglo-normand. Un chapiteau. Le nom de Fontaine-Guérard viendrait de Fontaine qui guérit. À l'étage, le dortoir des moniales. Superbe toiture en bois. Ici dormaient les moniales. Une vue d'ensemble. Passage pour aller voir le jardin. La salle de travail en gothique primitif. L'ambiance bucolique des ruines. Le jardin. C'est un jardin de simples, c'est-à-dire de plantes médicinales. Campanule. Ortie. Asperge. Papa Véracé, de la menthe, citronnelle, l'arrière de l'abbaye, digital pourpre. Salvia officinalis, la sauge. Coquelicot et escoldzia. Feuilles de chêne. Très fort.
Escolzia. Aroche. Calendula officinalis. Rose ancienne de Normandie. Bambou à canne noire, Philostachys nigra. On se prélasse au bord de l'eau. Fontaine Guérard est vraiment en danger des crues de l'Andelle. Dernier regard sur la chapelle Saint-Michel et sur le corps de l'abbaye. Fontaine Guérard. À la sortie de l'abbaye.